rien du tout, Blippi. Non, non, non. Oh, oh, tiens. Oh, ouais, les gars, je prends la caméra en main aujourd'hui parce que là, je vous le dis, oh, je viens de faire un méga cauchemar. Ça m'a bouleversé, les gars. Oui, et dans mon cauchemar, ce qui se passe, c'est que j'avais Blippi qui se serait battu contre Vlad et Nikki. Et alors, dans mes rêves, les gars, dans mon cauchemar, bah, tout ça se serait déroulé au parc. Oui, au parc, les gars. Et vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais me préparer et puis on va aller en direction du parc, les gars. On va bel et bien aller vérifier s'il y a véritablement un conflit entre les youtubeurs Vlad et Nikki et Blippi. Oui, oui. Et bon, vous savez quoi, je vais m'équiper de mon drone, bien sûr. Et oui, regardez ça, j'ai mon drone, les gars. Et avec mon drone, on va aller jusqu'au parc, parce que c'est là où ils ont été repérés dans mon rêve, les gars. Allez, c'est parti, on perd pas de temps et let's go. Bon, bah ça y est, les gars, je suis équipé. Et j'ai directement envoyé mon drone dans les airs, les gars. Exactement au niveau du parc, comme je vous l'avais dit. Et c'est toute cette zone qu'on va survoler. Oui, 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 je vous le dis, je suis en train de quadriller toute la zone. Laissez-moi juste essayer de contrôler mon altitude, les gars. Regardez, là, je me trouve tout juste à côté du City Stade. Hé ! Oh ! Là, regardez ! Attendez, si je zoome, je... Hey ! Non ! Oh, Vlad et Nikki, ils sont là. Oui, vous le voyez bien, les gars. Vlad et Nikki sont aux abords du City Stade. Et voilà les vedettes de YouTube, les gars. Ah, franchement, ça fait toujours un plaisir de les retrouver avec le drone. Ouh, je sais pas pourquoi, les gars. Je vous le dis, je commence un petit peu à stresser. Un petit peu, les gars. Parce que imaginez-vous simplement qu'il y ait l'arrivée de Blippi, là. Ce serait véritablement comme dans mon cauchemar. Et le conflit pourrait éclater. Non, non. Aïe, aïe, je crains le pire. Je crains le pire, vraiment. Enfin, en tout cas, là, je crois qu'ils sont probablement en train peut-être de faire une vidéo YouTube. Oh, ça serait la folie, ça serait incroyable. Oh, je suis trop content, les gars. Mais je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont véritablement en train de faire une vidéo de basket, les gars. Et ouais, j'ai l'impression que là c'est l'entraînement. Ça, c'est en train d'envoyer des petits paniers et tout. C'est pas méchant, les gars. Et... Ah, oh, Blippi. Les gars, Blippi, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fout là, Blippi? Alors là, c'est véritablement comme dans mon cauchemar. Ah, non, qu'est-ce qui se passe? Mais non. Il vient littéralement de s'en prendre à Vlad et à Nikki. Il a pas le droit de faire ça. En plus, il est trop nul. Il arrive même pas à mettre un panier. Bah, t'es trop nul, Blippi. T'es nul. Désolé, mais là, c'est Blippi qui cherche les conflits. Et oui, et c'est lui qui cherche les problèmes. Ah, bah, oh, regardez, il est en train de chasser Vlad et Nikki. Mais oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête, les gars? Mais ça y est, je sais, j'ai compris, les gars. Je crois qu'il les empêche de faire leurs vidéos. Et ouais, Vlad et Nikki, ce sont le concurrent de Blippi. Mais regardez, mais Blippi est complètement prêt à tout pour se débarrasser de la concurrence. Regardez là, en plus, Vlad et Nikki repartent en courant. Ils repartent en courant. Mais c'est carrément surprenant. Ah ben regardez Blippi. Mais Blippi est véritablement en train de les chasser du parc. Blippi est prêt à tout pour les empêcher de produire leurs vidéos. Mais oui. Oh mais franchement, il a pas le droit. Non mais là les gars, je vous le dis, Blippi, il a pas le droit. Attendez, je prends mon téléphone, les gars. Oui oui, je prends mon téléphone et je vais appeler Vlad et Nikki. Je vais leur demander ce qui se passe. Je vais les appeler. On va essayer d'avoir plus de précision. Je les appelle. Oh, oh les gars, je suis en train véritablement d'appeler Vlad et Nikki tout de suite. Tout de suite, allez, répondez s'il vous plaît. Oh, j'espère que Blippi ne va pas leur faire de mal. Non mais là, là ça serait grave, ça serait beaucoup trop grave. Allez, allô, allô, Vlad, Nikki, qui est-ce que j'ai au téléphone là? Hey, c'est moi Vlad. Il y a un problème, il y a Blippi qui nous empêche de faire notre vidéo YouTube. C'est horrible, il fait que de nous harceler. Oh, vous entendez ça les gars? Mais Vlad et Nikki sont en détresse. Blippi est carrément en train de les harceler. Mais il est pas sérieux. Écoutez, écoutez-moi les frères Vlad et Nikki, essayez de fuir, essayez de vous débarrasser de Blippi. Faites comme vous le pouvez, mais essayez de vous enfuir. Mais Robtek, c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, mais là, il nous a suivis jusqu'au McDonald's. Au McDo? Au McDo, juste à côté du City Stade? Oui, 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 c'est bien ça, à côté du City Stade. Il veut plus nous lâcher. Quoi? Vous entendez ça, les gars? Mais tout se déroulerait dès maintenant autour du McDonald's. Bon, d'accord, Vlad et Nikki, ne vous laissez pas faire. Surtout, ne vous laissez pas faire. Hé, hey, oh, ça a raccroché? Mais les gars, ça a carrément raccroché. Il y a plus... Mais quoi? Oh non, non, mais ils sont en détresse. Ils sont complètement en détresse et apparemment tout se déroulerait au niveau du McDonald's. Mais ok, je reprends mon drone. Je reprends le contrôle, les gars. Allez, à fond les ballons, les gars. J'y suis. Ok, j'y suis au McDonald's. Alors maintenant, laissez-moi essayer de repérer Blippi. Pour l'instant, rien à signaler, les gars. Je me trouve tout simplement devant le McDo. Allez, maintenant, laissez-moi me mettre à la recherche de Blippi ou bien de Vlad et Nikki. Peut-être qu'ils sont à l'intérieur du McDonald's. Et là, là,
Les gars, Blippi sort du McDonald's. Blippi vient tout juste de sortir du McDonald's. On le voit, on va le surveiller les gars. On va bien le surveiller. Je vais zoomer, je vais carrément zoomer. Ouais, oh, attendez, je crois que Blippi s'est commandé un menu Happy Meal. Je peux bien remarquer qu'il a un menu Happy Meal dans les mains. Je sais pas pourquoi là comme ça les gars, mais ça sent mauvais. Je crois qu'actuellement au McDonald's, il y a la collaboration avec le Happy Meal Vlad et Nikki. Et c'est ce que Blippi a commandé. Je crois qu'il a véritablement commandé le Happy Meal Vlad et Nikki. Ça c'est possible les gars, je vous le dis. Mais bah, pourquoi est-ce qu'il commanderait le Happy Meal Vlad et Nikki alors qu'il les déteste? C'est ça la question les gars. Attendez, mais que fait Blippi là les gars? Mais vous le voyez? Mais pourquoi est-ce qu'il se cache dans les buissons avec le menu Happy Meal? Qu'est-ce qu'il prépare? Aïe 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 aïe, je crois qu'il fait des bêtises. Je le surveille avec mon drone. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer les gars? On voit qu'il est en train de verser un genre de produit dans le Happy Meal. Mais je crois que... c'est trop bizarre, c'est trop bizarre là ce qui se passe. Mais il est probablement en train peut-être d'empoisonner le menu. Si c'est ça c'est grave, si c'est ça c'est trop grave les gars. Si... Ah là c'est abusé, c'est trop abusé. Non, attendez, non. Je vais prévenir Vlad Nikki. Je les appelle, je vais les rappeler. Je vais leur dire qu'il se passe quelque chose de très grave. Je crains que Blippi aurait trafiqué le menu Happy Meal. Allô, Vlad, Nikki, écoutez-moi, je crois que Blippi aurait vilainement trafiqué votre menu Happy Meal. Oui, on le sait, il est actuellement en train d'empoisonner tous les menus Happy Meal. Quoi? C'est sérieux? Blippi empoisonne tous les menus Happy Meal? Oh, faut les jeter à la poubelle, faut tout jeter à la poubelle. Écoutez-moi, Vlad et Nikki, il faut jeter à la poubelle tous les menus empoisonnés, d'accord? Et il faut se dépêcher avant même qu'il y ait des enfants qui s'empoisonnent. Ok, Rotek, t'inquiète pas, tu peux compter sur nous, on s'occupe de tout. Ok, d'accord, je compte sur vous. Ok, attends, les gars, je reprends le contrôle de mon drone. Et là, j'espère que Vlad et Nikki vont être efficaces. Il faut jeter tous les menus empoisonnés à la poubelle. Oh, là, regardez, Vlad, Nikki, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent de jeter un menu à la poubelle. Ok, attendez les gars, vous savez quoi? Ce que je vais faire moi, c'est que je vais me rendre jusqu'au McDonald's. Je vais aller fouiller dans la poubelle, je vais récupérer le menu. Et on va bien voir ce que Blippi a vilainement trafiqué. D'accord les gars, on se retrouve tout de suite au McDonald's. Let's go! Bon, et bien les gars, je vous le dis, j'ai pris la voiture et je suis déjà aux abords du McDonald's. Et oui, regardez les gars, je suis aux abords du McDo déjà. Là, je vous dis, je vais devoir aller fouiller les poubelles. Oui les gars. En tout cas, ma curiosité n'a aucune limite. Je vais vraiment aller fouiller les poubelles. Allez, venez avec moi, je retire ma ceinture de sécurité. Allez, on y va les gars. En attendant, grâce au drone, on a bien pu repérer dans quelle poubelle où est-ce que les Vlad et Nikki se sont débarrassés du Happy Meal. Et je crois que c'est celle-ci. C'est cette poubelle là les gars. Oui, c'était juste à côté du Ronald Land, juste là, et la poubelle elle est là. Donc là normalement j'ai... Ah bah regardez les gars. Attendez, je vais le récupérer. Oh, ça pue là-dedans. Oh, ça pue dans la poubelle. Oh, je n'ose même pas mettre ma main pour récupérer le Happy Meal. Regardez. Oh, ok, allez. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que ça pue dans cette poubelle? Mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les abonnés, les gars? Non, sérieux, quoi. Bon, allez, on reprend le Happy Meal et on remonte à la voiture. Allez, à la voiture les gars. Bon bah ça y est les gars, j'ai le fameux Happy Meal que Blippi aurait vilainement trafiqué. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il a trafiqué dans tout ça les gars. En attendant, oh, mais ça pue. Non mais sérieux les gars, ça sent mauvais. Non mais attends, bah c'est normal, je l'ai récupéré quand même dans la poubelle les gars. Ça c'est pas étonnant. Bon, on va quand même faire l'effort de l'ouvrir les gars. Oui, je suis curieux. Désolé, je suis trop curieux les gars. Allez, let's go, on va l'ouvrir ensemble les gars. Oh purée. Alors franchement, je sais pas encore dans quoi je m'embarque, mais vas-y, je suis curieux. Allez, je l'ouvre. Hey, les frites, qu'est-ce qui s'est passé sur les frites? Je vous montre. Attendez, je vais vous montrer les gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le paquet de frites? Oh, aïe. Ah, Blippi, il a fait des bêtises. Ah, Blippi, il a fait des choses qu'il fallait pas faire. Ah, ça, j'y touche pas. Non, j'y touche pas. Ah, non. Ah, mais franchement, Blippi, il est terrible en ce moment. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, les gars? Je le savais que ce Happy Meal était dangereux. Eh oui. Mais Blippi a fait des bêtises. Attendez, le sandwich. Ah, mais oui, le sandwich est touché aussi. Regardez, il y en a partout sur l'emballage. Bon, je vais quand même me permettre d'ouvrir l'emballage du sandwich, les gars. On va vérifier ça ensemble. Attendez, je l'ouvre. On va l'ouvrir ensemble, les gars. Et je vais pas le manger. Je vous le dis, non, je vais pas du tout le manger. Je vais pas y toucher. Je vais simplement inspecter, les gars. Bon, comme ça, de première vue, le sandwich a l'air plutôt appétissant. J'aurais même envie de croquer dedans. Oh. Non. Franchement, le sandwich, ça a rien à dire. Jusque-là, ce Happy Meal, c'est la catastrophe. Mais là, le sandwich, non, franchement, je valide. Mais on va l'ouvrir, on va inspecter ce qu'il y a à l'intérieur, les gars. Oh, bah regardez, on a le cornichon, le ketchup, le cheddar, le steak haché. Et en dessous, on a... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hé! Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça?
les gars. Non, les gars. Oh, regardez, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les... c'est des punaises. C'est des punaises. Le sandwich est piégé par des punaises. Ah ouais, non, mais là, une chose est sûre, c'est que Blippi a véritablement piégé ce Happy Meal. Il voulait véritablement piéger Vlad et Nikki d'une façon abominable. Oh non, mais les gars, je vous assure que si vous croquez dans ce sandwich, vous auriez la gorge ensanglantée. Oh non, non. Heureusement, je vous le dis, que je me suis pas laissé séduire par ce sandwich. Oh, il avait l'air tellement appétissant en plus. C'est ça, c'est véritablement un sandwich piégé. Ah non, j'y touche pas. Attendez, attendez, dans la boîte du Happy Meal, qu'est-ce qu'il nous reste? Oh, les gars, regardez, je crois qu'il nous reste des bonbons. Il y a des bonbons, les gars, attendez. Je veux voir ça, je veux voir ça, oui, oui. Oh, il y a des bonbons Haribo. Alors ça, je crois bien que c'est la seule chose sympathique de la part de Blippi. Attendez, non, c'est pas normal, non, 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 non. Il y a sûrement quelque chose de mauvais qui se cache derrière tout ça. On va l'ouvrir, les gars. Oh. Oh non, j'en ai mis partout dans la voiture. Oh bah regardez les gars, c'est des petits crocodiles. Bah là franchement, c'est la petite touche sympathique de Blippi. Bon, allez, j'aime bien les crocodiles. Mmh, oh ouais. Mmh. Hein? Oh, ils sont dégoûtants, véritablement dégoûtants. Qu'est-ce qui se passe avec ces bonbons? Je vais vérifier sur le paquet. Non, c'est une blague. C'est des bonbons périmés. Mais oui, les gars, la date, c'est écrit que c'est des bonbons périmés. Ah, oh, je me doutais qu'il y avait quelque chose de mauvais derrière tous ces bonbons. Non. Ah non, c'est horrible. Franchement, ce Happy Meal est véritablement piégé de A à Z, les gars. De la frite jusqu'au sandwich et jusque même les petits bonbons. Tout est en empoisonné. Ok, bon, les gars, je pense que Blippi voulait véritablement empoisonner et éliminer Vlad et Nikki. C'est terrible, les gars, franchement. Non, mais Blippi, là, il est prêt à tout pour éliminer la concurrence. Je pense que sur la chaîne YouTube, nous allons tout faire pour protéger Vlad et Nikki de la terreur de Blippi. Et oui, bon, en attendant, les gars, restez bien, bien, bien connectés sur la chaîne YouTube. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Ça vous ne permet de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Hey, comment ça va, la famille? J'espère que vous allez bien là, j'espère que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on s'est tous réunis, voilà, Sim Spooky ici présent. Yo tout le monde. Et ouais, et on a Ya Spooky qui est aussi présent. Hey. En tout cas, les gars, là, aujourd'hui, c'est un jour très, 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 très spécial. Aujourd'hui est un grand jour parce que ce serait apparemment l'anniversaire de Blippi. Et ça, ça se fête, les gars. Non, mais entre vous et moi, là, ça, ça se fête, les gars, quand même. Alors bon, avant tout, j'ai déjà eu pour idée d'appeler Blippi. Oui, oui, on va appeler Blippi pour déjà, dans un premier temps, lui demander si c'est réellement aujourd'hui son anniversaire. Parce qu'il faudrait vraiment, vraiment pas se tromper, tu vois. Et puis, si c'est réellement aujourd'hui son anniversaire, eh bien, on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et là maintenant on va l'appeler. Oui oui, je l'appelle, on perd pas plus de temps les gars. On va quand même lui demander si c'est vraiment aujourd'hui le jour de son anniversaire. Et je vais mettre en haut-parleur. Et allez, c'est parti. Mais en tout cas Robtek, j'espère que c'est bien aujourd'hui son anniversaire hein, parce que sinon on va avoir l'air bête hein. Ouais, bah, ouais ouais, c'est vrai, sinon la honte hein. Attends attends. Oh, oh, il a répondu. Oh, Blippi. Allô Blippi. Hey, salut, c'est moi Blippi. Ah ouais, bah, je pense que tu dois te douter de pourquoi on t'appelle aujourd'hui Blippi, non? C'est bien aujourd'hui ton anniversaire? Oui, c'est mon anniversaire. Ok, eh bah Blippi, on te souhaite un joyeux anniversaire hein. Merci. Ah franchement, t'es le premier à me dire. Ah bah ça fait plaisir, ah, ça fait trop plaisir. Voilà, on te souhaite tous un joyeux anniversaire hein. Bon bah Blippi, tu sais quoi, vu qu'aujourd'hui je suis de très bonne humeur, eh bien je t'invite à la maison. Ouais, je t'invite à passer à la maison. On va souhaiter ton anniversaire. Ça va être la teuf toute la soirée, ok? C'est vrai? Ouais ouais, y'a pas de problème. Allez, bah à tout à l'heure hein Blippi. On compte sur toi, allez, à tout de suite. Et voilà les gars, ce soir nous aurons la visite de Blippi. Et on va essayer de lui réserver une bonne petite surprise, hein les gars hein. Ouais, stop la Robtek, hein. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée qu'on invite Blippi là ce soir. Parce que là, je te l'avoue, au vu de tout ce qui s'est passé dernièrement par rapport à Blippi, je te déconseille de l'inviter là ce soir. Même si c'est son anniversaire, vaut mieux juste lui souhaiter par message quoi. Et puis ça s'arrête là, et puis c'est déjà bien, hein, non? Et puis attends Robtek là, le pire c'est qu'on a rien prévu. Enfin, on a même pas de gâteau d'anniversaire et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Tu sais très bien Robtek qu'un anniversaire ça se prépare à l'avance, tu vois. Eh ben vous savez quoi les gars, on se met tous au défi de sauver l'anniversaire de Blippi, ok? Ce sera bel et bien le challenge de cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner un maximum de force, un maximum de soutien en mettant plein de pouces bleus sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment vraiment très important. Et sur ce, nous, il nous reste plus beaucoup de temps, va falloir se dépêcher, ok? Eh mais Robtek, t'es complètement à côté de la plaque là, regarde, il est minuit passé là. Et à cette heure là, tous les supermarchés sont fermés. Comment on va faire pour pouvoir préparer l'anniversaire
l'anniversaire de Blippi. Eh ben vous savez quoi les gars, on va faire avec ce qu'on a. Oui, on doit bien avoir quelques ballons, quelques décorations d'anniversaire, quelques bougies qui traînent de toute façon. Et s'il faut retourner tous les placards de la maison, eh ben c'est ce qu'on va faire les gars, vous inquiétez pas. La mission c'est bel et bien de sauver l'anniversaire de Blippi, ok hein? Ah oui. Allez, on est tous réunis aujourd'hui et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de préparer et de décorer toute la maison. Et vous savez quand? On se retrouve d'ici quelques instants quand tout sera prêt. Allez, à tout de suite. A few moments later. Ça y est les gars, regardez-moi cette belle décoration de toute la maison. Et je pense que Blippi va kiffer là. Et par contre Robtek, dis-nous ce que t'en penses là de cette décoration. Bah franchement bravo, là je pense que Blippi va adorer. Surtout qu'on a fait tout ça avec les fonds de tiroir. Ouais, on a fait avec ce qui nous restait. Et je trouve ça vraiment déjà pas mal quand même hein. Ah, attendez, parce que là les gars, je viens de me rendre compte de quelque chose. On a un gros problème là. Je crois qu'on a oublié le truc le plus important pour un anniversaire les gars. Ah quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde la maison, la déco est parfaite. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir oublié là? Non mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? C'est l'élément le plus important, c'est là où on dépose les bougies quoi. Réveillez un peu votre cerveau là. Réveillez un peu les neurones là, allez. Oh non, on a oublié le gâteau. On a oublié le gâteau, si Spooky t'avais raison. Ok les gars, bon bah ce qu'on fait c'est qu'on va directement au supermarché. On se dépêche, allez, mais vite. Non, t'es ou quoi? Il est 2h du matin. À cette heure-ci tous les supermarchés sont fermés, c'est indisponible. Ah ouais, non ça c'est vrai ça, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Bon, je crois qu'il nous reste une dernière solution les gars. Bah alors c'est quoi ta dernière solution? Tu peux nous dire là, allez. Ouais c'est vrai, je suis curieuse de savoir hein. Ah bah les gars, là je veux parler du dark web hein. Mais oui, le dark web est disponible 24h sur 24, y compris la nuit quoi. Ah ouais, le dark web, je connais. Et t'es sûr que c'est une bonne idée? Non, à mon avis c'est pas du tout une bonne idée là, Rob. Tu sais très bien qu'on a eu que des mauvaises expériences. Rappelle-toi, le gâteau pas de patrouille, c'était une catastrophe. Tu veux encore recommencer là, non? Ah bah les gars, là on va pas avoir le choix. Bah non, on n'a pas le choix les gars. C'est la seule solution, ok? Et ça y est les gars, je suis déjà sur le dark web et désolé de vous dire ça, mais on va pas avoir le choix hein. En tout cas, je sais que le dark web c'est pas forcément le bon endroit pour commander des gâteaux. Voilà, on en a déjà eu de très mauvaises expériences. Mais là pour le coup, encore une fois ce soir, on va pas avoir le choix. Désolé les gars, mais pas le choix en tout cas. Bon bah d'accord, bah maintenant est-ce que tu pourrais faire l'effort de trouver un gâteau Blippi sur le dark web, non? Bah attendez les gars, je crois que je suis sur la bonne voie là. Attends. Eh bah ouais, j'ai trouvé. Aïe. Mais les gars, regardez ça. Regardez-moi ça les gars. Ça c'est le gâteau de Blippi, ça se voit quand même hein. Ah ouais. Là c'est stylé. Mais par contre, attends, laisse-moi. Mais quoi? Mais le gâteau est super cher, Rob, t'es complètement fou là. Ah ouais, attendez, regardez le prix les gars. Ah oui, c'est vrai que c'est cher hein. Au moins 149€ les gars. Eh, ça fait cher, mais je crois qu'on va pas avoir le choix. Vas-y, bah donne-moi le PC là s'il te plaît. Attends, mais ouais, c'est vrai qu'il est quand même stylé ce gâteau hein. Je pense qu'on est bien obligé de le commander. Attends, vas-y, bah vas-y, Sim. Attends, hop là, j'ajoute au panier. Ok, bon bah ça y est les gars. Eh, je crois bien que vous allez me prendre pour Albert Einstein ou Elon Musk. Parce que là, j'ai activé la commande instantanée. La livraison devrait arriver d'ici 15 ou 20 minutes. Donc ça devrait être rapide hein. Pour Blippi, je pense que ça devrait le faire. Ah là, c'est Spooky, je te jure, t'assure là vraiment. Et je pense que la fête d'anniversaire de Blippi est réussie là, non? Eh oui, là pour le coup, tout se passe comme prévu les gars. Et ça fait plaisir. En tout cas, je pense que ça mérite un maximum de likes sur cette vidéo. Ah bah ouais, Spooky, qu'est-ce que t'en penses hein? Bah ouais, un maximum de likes. Au moins combien de likes là hein? Dis-moi. Au moins 10 000 likes les gars hein. Ça a sonné hein? Ouais, ça a sonné les gars. Eh, vous avez entendu hein? Ça a sonné hein? À mon avis, c'est le livreur non? Allez, Robtek, allons-y. Allez, bon, on se dépêche hein, c'est parti les gars. Ok, allez, Yasmo, qui suis-nous? Attends, mais moi, à mon avis, je pense bien que c'est le livreur parce que tu vois, il y avait la livraison instantanée. Allez, go. Mais non, mais attends, mais les gars, mais non, mais Spooky, c'est pas possible. Dis-toi qu'on vient tout juste de le commander. À mon avis, c'est Blippi et puis c'est tout. Bon, on va aller voir. Allez, viens. Ok, bon, allez, 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Ouais, pas de problème, Blippi. Vas-y, tu peux rentrer, fais comme chez toi, allez hein. Allez, moi je rentre à la maison. Bah Robtek, t'avais raison, c'était Blippi du coup. Bah ouais, mais attendez, le problème maintenant les gars, c'est qu'on a toujours pas encore reçu le gâteau. J'espère qu'il va pas encore s'en apercevoir. Ouais, c'est clair. Allez, on va le rejoindre. Allez, dépêchez-vous, viens, allez. Allez, allons rejoindre Blippi maintenant. Et alors Blippi, ça te plaît toute cette décoration hein? Ah oui, j'adore, c'est super beau. Eh bah ouais hein, joyeux anniversaire Blippi. Bon, on chante? Allez, okay. Joyeux anniversaire Blippi. Joyeux anniversaire Blippi. Joyeux anniversaire Blippi. Joyeux anniversaire Blippi. Gâteau, on a eu un petit problème pour le gâteau. Bon, ça va, ouais. Je pense que tu nous en veux pas trop. En fait, on a eu un peu de retard pour le gâteau. Mais ça va arriver, il va arriver. Laisse-nous encore quelques minutes. Ça veut dire que je vais pas pouvoir souffler mes bougies. C'est un faux anniversaire en fait. T'inquiète pas, ça va aller Blippi.
j'ai pris la livraison instantanée, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Pleure pas Blippi, t'inquiète pas le... Laisse-moi tranquille. Mais t'es fou quoi? Calme-toi. De toute façon c'est un faux anniversaire, vous êtes tous foutus de moi. Et toi là... Blippi est devenu complètement fou là. Attendez, chut. Ah, les gars, vous avez entendu? Blippi, ça y est, ça a sonné, le gâteau est arrivé. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui Blippi, mais je viens de le dire hein, le gâteau est arrivé. Allez viens Sim Spooky, on va aller chercher le gâteau. Blippi, tu bouges pas, tu restes là, ok hein? Oh, ok, si pour le gâteau, je bouge pas. Allez, bouge pas, allez viens Sim Spooky, on va aller chercher le gâteau. Mais en tout cas, j'espère qu'avec le gâteau, Blippi va se calmer. Vas-y Sim Spooky, on se dépêche. Je vais chercher le nécessaire. Vas-y, go, 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 go. J'espère qu'il va se calmer. Il m'a carrément étranglé et tout à l'heure. Et j'ai eu peur quand même. Hein. Heureusement qu'il s'est calmé. Heureusement que le livreur est arrivé au bon moment. Allez, vas-y, ouvre la porte. Allez, allez. Alors, là. Le gâteau. Yes, ça y est les gars. Il est magnifique ce gâteau. Ok. Incroyable. Vous voyez, il y a les bougies les gars. Donc ce qu'il faut faire, c'est allumer les bougies quand même. Attends, ça y est, j'ai un briquet. Regarde. On va les allumer. Vas-y, allume-les et après on monte et on va rejoindre Blippi hein. Allez hop là. Hop là. Et la dernière. Et ouais. Ok, ça y est. Bon bah les gars, on monte. On y va. Allez, monte. Et par contre, Roftek ne fait pas une catastrophe, ne fait pas tomber le gâteau à la dernière minute. Ouais, mais vous inquiétez pas les gars. Joyeux anniversaire Blippi. Allez Blippi. Ouais. J'aime trop mon gâteau. C'est pour ça donc il y a les boutons et tout. Ouais. C'est comme toi Blippi hein. Là tu valides hein. Ouais là je valide vraiment. Bon, on souffle les bougies. Allez Blippi, j'espère que t'es prêt. C'est maintenant que tu peux souffler tes bougies. 3, 2, 1. Maintenant, vas-y. Ouais. Pour la première part de Blippi. Et hop, et voilà, c'est une big part hein. Regarde ça hein. Oh là là, je vais me régaler avec ce gâteau. Allez Blippi, mange ton gâteau et dis-nous ce que t'en penses un peu, allez. Ouais. J'ai trop hâte de le manger, il a l'air trop bon. Allez, vas-y. Des clous, mais c'est quoi ce délire? Je crois que le gâteau du Darknet est un peu bizarre là. Mais c'est quoi ce délire là? Vous voulez vraiment me faire manger des clous là? Mais vous êtes sérieux? Oh non, la galère là, mais c'est quoi ce bazar? Mais regardez-moi ça, il y a des clous partout. Mais vous voulez vraiment me tuer en fait là? Oh non, l'horreur. Les gars, Blippi va être en furie, faites attention à vous. C'est un gâteau trop nul là. Je vais m'énerver là. Calme-toi, d'accord. Il faut essayer de trouver une solution pour essayer de calmer Blippi. Attends, je crois que j'ai une idée. Blippi, écoute-moi. Je crois que là maintenant, on va passer à ton cadeau d'anniversaire. Hein. Et là, cette fois, Blippi, fais-moi confiance, tu seras pas déçu, ok? Si c'est une mauvaise blague comme le gâteau, ça sert à rien. Non, ça sera pas une mauvaise blague comme le gâteau, t'inquiète pas. Mais attends, Roptek, là, tu le sors d'où ton cadeau là? On n'a rien préparé par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, c'est parti, j'ai été chercher le cadeau de Blippi. J'espère que ça va le calmer. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. J'espère que le cadeau va faire toute la différence. Allez, viens, Yaspooky, suis-moi. Allez, tiens, Blippi, ton cadeau, hein. Mon cadeau. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que c'est pas une mauvaise blague. Non, t'inquiète pas, Blippi, cette fois-ci, c'est un vrai cadeau. Allez, vas-y, installe-toi et on te regarde. Allez, tu déballes ça, hein. Mon cadeau, ouais. Hey, mais attends, Roptek, là, ça sort d'où ton cadeau, là? Je crains le pire, là. Écoute, je l'ai commandé sur le Dark Web. Bah oui, il y a que le Dark Web qui est disponible là ce soir, hein. Quoi? Mais t'es sérieux? Mais t'es malade ou quoi? Ça t'a pas suffi le gâteau? Tu veux recommencer avec le cadeau maintenant? Vas-y. C'est ma famille, regarde dedans, c'est des insectes. Attends, ok, regarde, c'est des insectes. Mais ouais, c'est des insectes. Mais quoi? Mais attends, Roptek, là, c'est ta faute, tout ça, c'est toi qui as commandé ça sur le Dark Web, en fait. Mais attendez, mais les gars, c'était un cadeau mystère, je savais pas qu'il allait avoir des insectes à l'intérieur, quoi. Non mais regardez. Oh
Oh non, c'est la catastrophe. Et là, c'est le pire anniversaire qu'on ait pu préparer, quoi. Oh, mais la catastrophe, quoi. Faudrait peut-être maintenant aller réconforter Blippi, parce que là, avec le gâteau avec les clous et maintenant le colis mystère avec les insectes, là, je pense que ça fait un peu trop pour Blippi. Faudrait quand même qu'on aille le réconforter, non? Blippi, t'inquiète pas. Ça va aller, t'inquiète. Non, mais ça va pas, là. Mais t'inquiète pas, Blippi, ça va aller. Les insectes, on les a mis à la poubelle, on s'en est débarrassé. Y'en a plus. Je vous crois pas du tout. Oh là 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 là, il veut rien savoir, Blippi, là. Je crois qu'il est au bout de sa vie, carrément. Eh, hey, mais attendez, les gars, vous savez pas vous y prendre. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Eh, hey, Blippi, Blippi, t'as des pas tranquille, toi. Oh, j'ai trop peur de l'insecte. C'est le pire anniversaire de toute ma vie. T'inquiète pas, Blippi, allez, calme-toi. Mais c'est la catastrophe, ça recommence, là, on revient au point de départ. Blippi est complètement fou, là. Il faut trouver une solution à ce problème, parce que là, ça part vraiment, mais vraiment trop loin. Attends, mais regarde là, regarde, il ramasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, non. Hé, Blippi, calme-toi, d'accord, ok? Tu nous calmes, hein. Attends, Blippi, là, regarde ce que j'ai, là. Je crois bien que c'est ta phobie, non? Allez, recule, Hey, ça marche vraiment trop bien, hein. Et je savais que la technique des insectes, ça allait trop bien marcher. Regarde-moi ça. Et là, il a vraiment flippé, il s'est pissé dessus carrément. Hey, les gars, bien joué avec la technique des insectes. Franchement, vous avez géré là. Eh ben ouais, Blippi, c'est carrément une petite flippette, quoi. Il a peur de tout et de rien, ce mec. Ah bon, bah maintenant on est tranquille, ça y est, on est débarrassé de Blippi. Franchement, c'était une catastrophe, hein. Mais maintenant, j'ai plus qu'une seule chose à dire. La prochaine fois, quand on prépare un anniversaire, va falloir s'y prendre à l'avance, hein. On arrête avec le dark web, ok? Tu l'as dit, Robtech, la prochaine fois, on s'y prendra à l'avance. Et normalement, tout sera fait en temps et en heure. Bon, eh ben, je pense bien que c'est dès maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des autres prochaines vidéos. Et puis sur ce, nous, on vous laisse. C'était moi-même, Sim Spooky. Yes, Spooky, allez, ciao! Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très folle. Nous allons s'intéresser au beau et au grand et au fameux Blippi. Oui, on le connaît très bien sur la chaîne YouTube. On a déjà eu affaire à lui à de nombreuses reprises, les gars. Allez, maintenant, laissez-moi vous présenter... Blippi Baby. Oui, attendez, je vais mettre le casque. On a clairement Baby Blippi au musée de Thomas le Train. C'est dingue, les gars. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. Il était mignon, Blippi, hein, quand il était petit, quand même, hein. Ah ouais. En tout cas, maintenant, on le sait. Bah, quand Blippi était enfant, il avait une très grande affection pour les petits trains. Et notamment pour le fameux Thomas le Train, les gars. Bah oui. Non, mais là, c'est un truc de fou, quand même. Donc, en tout cas, je pense que vous l'avez très bien compris. Mais c'est une ancienne vidéo souvenir de Blippi quand il était enfant. Et là, il est clairement en train de visiter le musée de Thomas le Train. Oh, et puis là, on a Blippi qui s'offre un petit tour de manège. Mais pas n'importe lequel, les gars, parce que oui, là, c'est le manège Thomas le Train, quand même. Attends, là, il y a du très haut niveau, les gars. Non, franchement, je trouve ça trop stylé. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, dans les commentaires, les gars. En tout cas, je ne le savais pas, mais entre Thomas le Train et Blippi, c'est une grande histoire d'amour, les gars. En plus, Blippi, même quand il était enfant, il avait déjà du style, quoi. Non, mais franchement. Bon, maintenant, entre guillemets, revenons à la réalité. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous le savez très bien, Thomas le Train possède une version démoniaque. Et oui, Thomas le Train.exe, on le connaît. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même avertir Blippi du danger que Thomas le Train peut avoir face à Blippi. Et là, encore une fois, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Thomas le Train.exe. Et là, je vous assure que ça fait un peu peur. Franchement, ça fait même très peur. Oh, regardez. Oh, non. Wow. Oh, la dinguerie. Oh, vous êtes pas prêts, les gars. Wow, mais cette version démoniaque peut se transformer en une géante araignée. Et je vous assure que là, ça fait vraiment flipper, quoi. Oh, je crois que celle-là, c'est la pire, les gars. Attendez, mais... Oh, mais regardez ses pattes, là, comme ça. Oh, wow. Ah ouais, d'accord, ça y est, c'est terminé. Non, mais les gars, il s'est fait dévorer, voilà. Il s'est fait dévorer, et c'est ce qui peut arriver à Blippi. Enfin, on sait jamais, les gars, donc faut faire attention, quand même. Non, ça fait flipper. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Thomas le Train, faut s'en méfier, tu vois. Attends, il est où, mon téléphone? Attendez, les gars, il y a mon téléphone qui sonne, non? Wow, mais c'est quoi le délire, là, les gars? Non, mais attendez, regardez, Blippi qui m'appelle. Ok, ça va, je vais répondre. Bah oui, je vais répondre. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il nous veut, là? Attends, allô, Blippi? Allô, Robtech, c'est moi, Blippi. Je suis traumatisé de ce que j'ai pu découvrir sur Thomas le Train. C'est trop flippant. Désolé.
Oh, ça va, désolé Blippi. Non, mais en fait, je pense qu'il faut que tu fasses attention quand même. Non, mais Thomas le train est imprévisible, ok? Il faut quand même, je pense, que tu sois averti, quoi. Non, mais oh, désolé de t'avoir brisé toute ton enfance, mais oui, faut faire attention, quoi. Mais moi, j'étais fan de Thomas le train. Je suis traumatisée. Blippi, pleure. Mais pleure pas, Blippi. Mais non, pleure pas. Bon, Blippi, dans le fond, explique-moi vraiment ce qui se passe avec Thomas le train. Mais le problème, c'est que j'habite juste à côté de la gare de Thomas le train. Attends, Blippi, c'est sérieux ou pas ça? Oui. Mais du coup, j'ai peur, j'ai trop peur. Ah ouais, d'accord, je comprends. Quoi, mais c'est quoi? T'habites vraiment juste à côté de la gare? Oui, il y a une maison juste à côté de la gare. Oh, ok, je comprends. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vrai que ça doit être difficile tous les jours. Ok. Non, mais Blippi, pleure pas. Mais non, pleure pas, Blippi. Oh, mais Blippi, il a un cœur trop fragile, quoi. Non, c'est pas possible. Bon, vous savez quoi, les gars, on va remettre le casque et on va continuer. Mais cette fois, voilà, pour essayer de réconforter un petit peu Blippi et pour se réconforter entre nous, on va se regarder une vidéo de Blippi. Bah voilà, ok, ça y est, là c'est du Blippi, les gars. Ça régale, on y va. Oh, stop. Oh, mais Blippi est très très moche là. Oh, désolé, ça m'a un peu perturbé. Ok. Oh. Attends, bah non, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il revient en arrière? Attends, qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? Wow, mais qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo? Ah, c'est peut-être parce que c'est du Blippi, hein. Bon, on laisse le bénéfice du doute, mais attends. Cool. We need to shut the chest. Il y a des bugs. Bah, c'est super malsain, quoi. Je sais pas, c'est... Attends, mais c'est quoi le délire là? Non, mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo là? J'ai du mal à comprendre, down, les gars. And then it shuts the door. C'est étrange. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais les gars, c'est malsain, je sais pas. Mais elle est folle, cette vidéo de Blippi, ou quoi? Ah, je crois qu'on prend. Je crois qu'il est en train de faire une partie de bricolage, Mais wow, calme-toi. Mais Spooky, qu'est-ce qui te prend? Mais toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Mais déjà que je suis en train de regarder une vidéo vraiment trop bizarre de Blippi, et toi comme ça, tu me surprends. Mais pourquoi tu regardes du Blippi là déjà? Mais t'es fan de Blippi? Non, mais vas-y, mais me pose pas plus de questions, toi. Arrête. Bah ouais, pour répondre à la question, je suis fan de Blippi, oui. Attends, je vais continuer à regarder. Carrément. Regarde, on va regarder. Bah viens, regarde. Ok, vas-y, let's go. Ah là, tu vois, c'est Blippi le bricoleur, tu vois, bah ouais. Ah ouais, il a tous les outils là, hein. Il a tout ce qu'il faut. Ok. Je te mens pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou ce qui se passe. Bizarre là. Te pose pas de questions, te pose même pas la question. C'est du Blippi, c'est pour ça, c'est un peu. Voilà quoi. Bon, je pense qu'on en a assez vu du Blippi. Bon, Sim Spooky, faut que je t'explique en fait. Dis-toi qu'il y a un lien très rapproché entre Blippi et Thomas le train. Quoi? Sérieux? Ouais. Thomas le train? Oui, c'est très sérieux. Il faut que tu saches que Blippi habite juste à côté de la gare de Thomas le train. Et ça c'est dingue. Hey, tu sais quoi, Sim Spooky, par rapport à tout ça, j'ai l'idée de prendre le drone et de survoler toute la gare de Thomas le train. Et pourquoi pas aussi survoler l'habitation de Blippi? Bah oui, s'il habite juste à côté, on fait une pierre deux coups. C'est une bonne idée que t'as eu quand même, hein. Bon bah, peut-être que tu sais ce qu'il nous reste à faire là. Ouais. On va s'équiper du drone. Oui. Et on va tout de suite survoler la zone là. T'es chaud ou quoi? Oui, les gars, vous savez quoi? On va directement se rendre à la gare et on va survoler la gare et la maison de Blippi. Allez, on y va, c'est parti. Ça y est les gars, on est sur place. Bah oui, on a pris la voiture et on s'est directement rendu jusqu'à la gare, les gars. C'est exactement à cet endroit là où y a Thomas le train. Mais alors là aujourd'hui ça change tout. Apparemment Blippi habite juste à côté de la gare. Quoi? Non mais sérieux? Juste à côté? Eh oui. Donc ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas là encore une fois les gars, je suis équipé du drone. Parce que oui, on va survoler toute la gare. En tout cas là maintenant, perdons pas plus de temps. On va directement se mettre sur les traces de Thomas le train et de Blippi. Allez, c'est parti. Ok, allez, direction la gare les gars. Voilà, là on est en train de traverser toutes les voies ferrées. Allez, on se dirige jusqu'à la gare les gars. Et mine de rien, ça nous fait quand même pas mal de distance à survoler. Ah ouais, quand même, hein. C'est loin, franchement c'est assez loin. Mais c'est pas un problème les gars, je vous assure. En tout cas les gars là, le but principal, c'est déjà dans un premier temps d'essayer d'apercevoir Thomas le train, ok? Ouais. Déjà si on voit Thomas le train, c'est déjà bien les gars. Ouais, ça serait bon signe quand même. Ouais. Oh, bah attends, regarde, il y a une petite maison juste à côté des voies ferrées. C'est peut-être l'habitation de Blippi. Non, je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas jusqu'à présent on a aucun moyen de le savoir. Mais on va continuer
continuer à survoler toute la gare. Et à un moment donné, de toute façon, on va bien savoir où est-ce que Blippi il habite, hein. Ouais, bah oui. Regarde, il y a la gare. Voilà. Là, il y a le grand bâtiment. Donc, c'est là où tous les voyageurs viennent poser les valises pour prendre le train. Hey, mais moi, peut-être là, j'ai une idée. Faudrait peut-être que tu te concentres un peu plus sur les voies ferrées qui sont abandonnées. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'ils pourraient apparaître à ce niveau-là, non? Ouais, bonne idée. Je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais il y a des voies ferrées qui sont abandonnées. C'est exactement ce que Thomas le train utilise pour pouvoir se déplacer en toute discrétion. Il est intelligent. Ouais, ouais. On va se concentrer sur les voies ferrées abandonnées, les gars. Mais là, du coup, wow. Ça y est. Ça y est, ouais. Il vient de passer là. Ouais. Ok. Ça y est, les gars. En tout cas, maintenant, il y a plus aucun doute. Thomas le train est dans les parages. Mais maintenant, la Robtech, la Blippi, il est où là dans tout ça là? Ah oui, mais c'est vrai. N'oublions pas Blippi quand même. Alors, si je me trompe pas, normalement, il a une habitation juste à côté de la gare. C'est pour ça qu'il pourrait probablement y avoir un lien entre Thomas le train et Blippi. On va vérifier tout ça, les gars. Mais regarde, il y a une grande maison qui m'a l'air complètement abandonnée. Mais ouais, c'est clair. C'est peut-être la maison de Blippi, non? Je sais pas. Ça serait fou, en tout cas. En tout cas, elle est énorme. Hein, Ouais, c'est un grand manoir, les gars. Attends, imagine, Blippi, il habite là-dedans. Bah, c'est que c'est possible, hein. Tu devrais t'approcher, peut-être, non? Eh ben, vous savez quoi? On va essayer de se concentrer sur ce manoir parce que c'est juste à côté de la gare. Donc, ça pourrait probablement être l'habitation de Blippi. Ah, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, là. Et à mon avis, la Robtech, là, ce manoir est complètement abandonné et il est même aussi hanté, quoi. Hein. Wow, ok. Là, c'est fou. Là, franchement, si Blippi habite dans un manoir hanté, c'est vraiment que c'est un truc de fou, quand même. Ouais. De toute façon, à un moment donné, si c'est vraiment la maison de Blippi, on va vite le savoir, les gars. Vous inquiétez pas. Avec le drone, on peut rien rater de toute façon. Bah oui, oui. Hein. Par contre, c'est. Wow. Attends, regarde. Attends, là. Mais c'est qui là? C'est qui par la fenêtre? Attends, montre un peu. Je vais essayer de zoomer. Quoi? Non. Attends, mais il y a quelqu'un. C'est Blippi. Mais. Je te jure, T'es sûr que c'est Blippi? Bah, j'ai zoomé, mais oui, c'est Blippi. Je le reconnais, Blippi. J'ai reconnu ses lunettes oranges. Hein. Attends. Là, regarde. Wow. Je crois qu'il cherche le drone, hein. Mais oui, je crois qu'il doit entendre le drone, mais il sait pas où est-ce qu'il est, tu vois. Il a repéré quelque chose, hein. Ouais. Oh là là. Oh là là. Il est où? Je le vois plus. Il a disparu. Je sais pas, il se cache. Ah, il est là. Il est réapparu. Ok, je crois qu'il cherche le drone. Maintenant, on n'a plus aucun doute, hein. C'est le manoir hanté de Blippi, hein. Mais c'est dingue. Et oui, donc en fait il habite juste à côté de la gare de Thomas le train. Et il habite dans ce manoir abandonné. Mais en tout cas, de là où il est, juste en regardant par la fenêtre, il a directement une visibilité sur toutes les voies ferrées, hein. Ouais, et donc clair. C'est possible qu'il puisse apercevoir Thomas le train passer assez souvent, Blippi, hein. Mais ouais. Et peut-être qu'il en a ras-le-bol de voir Thomas le train passer devant chez lui à chaque fois. Ça c'est possible. Ça en tout cas c'est possible, les gars. Ouais, en tout cas, vous me connaissez très très bien. Je pense que je peux rester des heures et des heures en train d'espionner Blippi. Franchement, c'est passionnant, les gars. Je sais pas, mais. Robtech, est-ce que tu te sens prêt pour pouvoir entrer dans le manoir comme ça avec le drone? Je veux carrément que je m'introduise dans le manoir avec le drone. Bah ouais, comme ça on verra de plus près Blippi. Non, t'es fou, c'est trop dangereux. Ah, regarde. Oh, on l'a vu, il était devant la porte d'entrée là. Mais oui, il était devant chez lui là. Ah, il est à la fenêtre, On le voit, Alors la question à savoir, c'est est-ce qu'il est préoccupé par le drone ou bien par Thomas le train sur les voies ferrées? Je sais pas trop. Je crois qu'on a notre réponse là. Je crois qu'il se dirige vers les voies ferrées là, en fait. Il a l'air d'aller directement vers les voies ferrées, Ouais. Bah ça y est, j'ai compris, les gars. Je crois bien qu'il est bien plus préoccupé par Thomas le train, en fait, hein. Ouais. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Il va oser aller sur les voies ferrées ou pas là? Je sais pas, mais il est bien parti, hein. Je crois qu'il est bien déterminé à aller sur les voies ferrées là. On va voir de toute façon ce qu'il compte faire. On va voir, en tout cas. On va l'espionner, les gars. Oui. On va l'espionner jusqu'au bout. Et de toute façon, Blippi n'a aucune limite. Ça m'étonnerait même pas que Blippi aille sur les voies ferrées, quoi, hein. Bah ouais, dites-vous que par moment Blippi est totalement fou. Mais là, bah regarde. Bah voilà, qu'est-ce que je disais, il est déjà sur les voies ferrées. Ça y est. Blippi est à la recherche de Thomas le train là, c'est sûr, hein. Ouais, à mon avis, ça c'est très probable. C'est moi qui fais la circulation des trains là. Attends. Mais ouais. Non. Regarde, il y a Thomas. Il a failli l'écraser. Mais ouais, c'est clair. Mais heureusement qu'il s'est décalé. Parce que sinon Blippi se serait fait écraser carrément. Mais ouais, c'est clair. Mais là, il doit être en furie, la Blippi, hein. Oh là là, ça se voit. Non mais là, je pense qu'il voulait carrément stopper Thomas le train, mais c'est trop dangereux. Bah ouais, là, il a failli se faire écraser. Bah, il est passé à vive allure, hein, quand même, hein. Wow, franchement, il était à deux doigts de finir en crêpe, Blippi, hein, je te jure. Wow. Qu'est-ce qu'il fait là? Il cherche encore une fois Thomas le train, mais c'est pas possible. Ça va mal finir, franchement. Il a quand même tenté d'essayer d'arrêter Thomas le train, hein, quoi. Mais ouais, hein. Wow. Il en a du courage quand même. Ouais, c'est clair, hein.
Franchement, il est courageux. Franchement, je tire mon chapeau, les gars. Blippi est courageux quand même. Ouais, il s'arrête pas, les là, gars. Il veut pas lâcher, il continue. Oh, regarde, regarde. Non, 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 mais wow. il arrive. Oh non, mais, non. Blippi, dégage-toi. Vite. Wow. Mais encore une fois, il a failli se faire écraser. Oh non, mais il est fou ce Blippi. Oh là là, ça va mal finir, wesh. Il est passé à une vitesse phénoménale, les gars. Attends, mais t'as vu, il lui court après à fond là. Mais qu'est-ce qu'il fait encore, Blippi? Mais quoi, il essaye de rattraper le train. Mais il a aucune chance. Mais il est trop rapide. Aucune chance. Là, c'est peine perdue, hein, je crois. Et je sais pas à quoi il joue, Blippi, mais... Mais là, je crois bien que Blippi est en colère. Ouais. Il a carrément envie de se confronter face à Thomas le train. Il est courageux. Ouais, franchement, il est vraiment courageux. Hein. Mais moi, honnêtement, les gars, je serais à la place de Blippi, je serais déjà parti en courant. Hein. Mais ouais, c'est clair. Hein. Mais je serais terrifié, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait, les... Regarde. Ah, bah, il y a Thomas. Voilà, il y a Thomas qui passe. Regarde, il le pointe du doigt. Il peut rien faire de toute façon. De toute façon, ouais, face à Thomas le train, il peut rien faire quoi. Non, c'est trop dangereux, les gars. Franchement, c'est trop dangereux. En tout cas, là maintenant, ça se voit. Hein. Entre Thomas le train et Blippi, c'est pas la joie. Hein. Mais ouais, c'est clair. En tout cas, on a bien vu Blippi montrer son mécontentement par rapport à Thomas le train. Il a pris beaucoup de risques hein, quand même. Hein. En tout cas, si vous voulez qu'on continue à survoler la gare de Thomas le train et qu'on essaie de percer tous les mystères à propos de Thomas le train et de Blippi, mettez un maximum de pouces bleus. Sur vous, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. En plus, ça vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos au sujet de Blippi et Thomas le train. En tout cas, Blippi a eu beaucoup de chance, il a failli finir en crêpe aujourd'hui. Hein. C'est vrai, les gars, il a quand même failli se faire écraser par Thomas le train là sous nos yeux, les gars. Bon, et puis moi, je vais directement faire atterrir mon drone avant qu'il se passe quoi que ce soit, les gars. Et puis sur ce, on se retrouve très très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, on vous fait plein de gros bisous. C'était moi-même, Sim Spooky. Ciao.